Donc aujourd'hui nous sommes mercredi, voilà. Je suis en train de faire mon petit déj et en fait j'ai pas lavé mon bol cake et il me reste du pain. Du coup ce sera du pain avec du lait, mais cette fois-ci du lait de coco. Et je vous avais dit le truc que je testais, le lait de vache, et j'ai pas eu l'impression que ça m'ait fait mal au ventre, donc je sais pas trop. Bref, sinon regardez ça, on a enfin une machine à laver. Voilà, on est allé l'acheter hier et du coup à la base on voulait Hublot, mais en fait pas le choix, donc du coup ce sera une comme ça. Donc c'est plutôt cool, mais ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude de voir un truc ici en fait. À chaque fois c'était la poubelle, du coup j'allais ici pour la poubelle. Mais maintenant ça a changé. Je viens de monter le vlog qui doit être en ligne aujourd'hui à 16h, voilà. Donc ça c'est fait, une bonne chose de fait. S'il durait genre 38 minutes, mais il y a plein de moments accélérés parce qu'il y a du ménage, tout ça. Donc ça va, là il en fait 22 du coup. Et en plus on voit Lily dedans, voilà, parce qu'à chaque fois on me demande eh, c'est quoi qu'on revoit Lily dans les vlogs, tout ça. Et oui, j'ai un bouton dans le sourcil. Super. Et j'ai pas de vidéo de prête pour demain. Je pense que je vais la tourner, je pense, demain matin. Enfin, en fait, il me reste juste un bout à faire. Normalement, ça devait être ma routine du matin. Mais j'ai toujours pas reçu un truc que j'en ai besoin, quoi. Donc voilà. J'attends, j'attends. Donc ce sera pour plus tard, tant pis. Et j'ai une trop bonne nouvelle pour moi. J'ai pu changer mon horaire, le cadre il a dit pas de soucis. En fait il m'avait juste mis de journée pour être sûr que ça fasse vraiment les 12h entre mes 2h. Mais en étant le matin ça fait toujours 12h, donc il a dit pas de soucis, donc je suis trop contente. Donc j'ai demandé à ma maman, parce que c'est ma maman qui m'a emmenée hier en stage vu qu'elle était des mêmes horaires. Elle travaille pas au même endroit, à l'hôpital hein, mais voilà. Elle a quasiment les mêmes horaires. Et du coup vendredi je vais voir Ariana. Et je suis, mais vous imaginez même pas. Mais quand j'ai su ça, c'était déjà le jour où je vous en ai parlé en vlog, j'ai écouté l'album d'Ariana en boucle, voilà, l'album Dangerous Woman. J'ai écouté quelques anciennes musiques et d'ailleurs on se disait avec mon copain, parce que bon, mon copain je le saoule avec Ariana depuis tellement de temps parce que je la trouve tellement belle, voilà, je suis amoureuse d'elle. Oui, donc je regardais un clip d'Ariana qui datait de 2014 et je trouve qu'elle a toujours la même tête. Et magnifique quoi. Bon après si vous regardez vraiment des anciennes photos d'elle, je trouve qu'elle a vraiment la même tête. Juste on voit qu'elle a grandi, mais vraiment c'est toujours la même bouille, elle est trop chou. Du coup quand vous verrez ce vlog, en fait je serai déjà au concert parce que c'est vendredi. Et je sais pas exactement comment je fais en fait. J'y vais avec une abonnée en fait. Enfin on se parle depuis hyper longtemps, elle me suit depuis hyper longtemps en fait. Et à la base elle voulait me racheter une place. Et du coup on va y aller ensemble, en plus elle habite à 1 heure de chez moi, du coup je sais pas encore comment on s'arrange. Là-bas je savais pas si je dormais là-bas ou si je rentrais direct, enfin bref je sais pas trop. Mais tout ce que je sais c'est que j'y vais et ça c'est le plus cool. Et je pense que je vais mettre du coup un Blablacar pour y aller. Je vais le mettre je pense maintenant, aujourd'hui, parce que comme je vais prendre la voiture, si je pouvais rentabiliser mon trajet, ce serait cool, voilà. Parce que en gros, vous pouvez voir que j'en ai environ pour 2h30 et... Ah ouais, 3h30, ça te coûte moins cher, je pense que c'est à cause des péages. Du coup, voilà, ça fait quand même presque 50€ juste pour l'aller. Donc imaginez aller-retour, le prix que ça fait. Donc bon, voilà. Bon, il est déjà 11h16, je suis pas du tout prête, je suis pas habillée, rien du tout. Là, je viens de faire la vaisselle et il faut que je fasse à manger, donc avec mon copain arrive, mais j'ai aucune idée de ce que je fais à manger, sachant qu'il faut que je fasse à manger pour que j'ai des restes pour ce soir. Bon, ça soit plus trop sur mes yeux, mais je pleure parce que je viens de couper un oignon. Voilà, je sais qu'on peut l'éplucher sous l'eau, blablabla, mais pour le couper, voilà, à part mes des lunettes. Donc du coup, en fait, je vais me faire un truc différent pour ce soir. Il est 11h30, voilà, donc du coup pour ce midi je pense que je vais faire champignons, dinde, crème, oignon avec du riz. Et pour ce soir je vais faire du poisson avec des courgettes, voilà, léger pour le soir. Bon c'est quasiment prêt, j'ai enlevé le stop pub avant-hier et j'ai déjà des pubs. Mais en fait j'aime bien regarder ce genre de trucs parce que regarde, par exemple là c'est une liquidation donc il peut peut-être avoir des choses intéressantes, enfin voilà, faut que je guette. Hop, nos assiettes pour ce midi sont prêtes. Et si tu peux voir pour ce soir, par contre, en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup. Donc, de toute façon, j'emmène un yaourt et généralement, je mange du pain, tout ça. Donc, voilà. Moi, je me suis habillée, vite fait maquillée en stage. Je me maquille vraiment très, très vite fait. J'ai mis le même habit qu'hier, tout simplement, parce que, genre, là, je m'habille, il est midi. Dans 1 heure, je me change, je mets ma tenue de stage. Je me rhabille à 21h11.
ouais, vers 21h10-15. Je rentre chez moi, je prends ma douche, je me mets en pyjama. Donc en fait mes habits je les porte pas beaucoup quoi. Donc bon, j'ai redonné quelques bouts de courgettes, j'en avais déjà donné hier aux poissons. Donc là je les laisse un peu comme ça, ils essayent de manger la courgette, parce que je sais que si je donne d'autres nourritures, ils vont manger de l'autre nourriture. Voilà, mais je remettrai quand même un petit peu de l'autre nourriture. Mais genre ce soir en tout cas là il n'y a plus de caca qui pend, donc j'espère que ça va mieux. Et bah voilà, là je pense que je vais commencer à manger un petit peu avant que mon copain arrive, parce que j'ai trop faim et que j'aime pas manger dans le speed. Hello, bon je vous retrouve là, je vais en fait à un point de rendez-vous, on va dire, non pas loin de chez moi, parce que tout simplement une nettoyante habite pas très loin et du coup on fait du covoiturage. Il y a une étudiante infirmière 3ème année qui habite pas loin aussi, donc c'est super cool. Donc je vais essayer de trouver l'endroit où elle m'a donné rendez-vous. Bon, il y a beaucoup de vent, donc je vais vous laisser ici, puis je vous retrouverai ce soir. Bisous. Hello, je vous retrouve, ça y est. Du coup, la soignante à qui j'étais vient de me déposer, donc c'est hyper cool. Enfin, en tout cas, c'est hyper pratique. Voilà, en plus, elle est super sympa. Je passais une très bonne journée. Voilà, c'est passé hyper vite. J'ai même pas eu le temps de manger, du coup, ce soir. Donc là, du coup, je vais manger chez moi ce que j'avais emmené. Et puis, voilà, quoi. C'était mon dernier jour avec les aides-soignantes. Demain, je passe avec les infirmières. Donc j'espère que ce sera bien. De toute façon, je vous vlog. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et à demain.